Cette question à présent, faut-il interdire le port de la burqa en France? Du point de vue religieux, ni la burqa, ni le niqab, qui sont les mêmes termes, ou voiles intégraux, ne sont des prescriptions religieuses de l'islam. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes, prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. On ne voit plus un centimètre carré de peau, elles portent des gants, elles ont les yeux cachés. C'est plus des femmes en fait, hein. Ce sont des fantômes noirs. En République, on n'a pas le droit d'enfermer la femme dans une sorte de prison vestimentaire, surtout dans la sphère publique. Il y a la sphère privée et il y a la sphère publique. La République, c'est l'égalité des droits, des devoirs et des personnes. Même à Euro Disney, il y a des femmes qui portent la burqa. C'est quand même assez étonnant de le voir. C'est très grave là. Et, ah oui, et j'ai trouvé ça parce que je l'ai vu personnellement. Donc j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Mais en même temps, il faut, évidemment, en France, on ne peut pas accepter ça parce que la burqa, c'est quand même la soumission de la femme. Nos principes républicains, c'est l'égalité homme-femme et c'est la liberté des uns et des autres. Sur un certain nombre de questions, par exemple l'accès à des prestations sociales ou bien la question de la naturalisation, il y ait interdiction pour des femmes qui porteraient la burqa. La France a toujours respecté, c'est sa tradition, la diversité religieuse. Lorsque Charles X a mis le pied en Algérie, il a dit « Je respecterai, nous respecterons votre religion et vos femmes ». Et la France a toujours été fidèle à cet engagement qui a été pris en son nom par un régime finissant. C'était l'Algérie. La France était en Algérie, aujourd'hui l'Algérie est en France. La loi de 1905. Le problème n'est pas tellement différent. Je m'appelle Oum Khair, je suis une mère de famille et je vais parler de moi en tant que musulmane qui porte le voile intégral. Je me présente, je m'appelle Oulmaldina, j'ai 34 ans. Et ça fait maintenant 5 ans que je me suis convertie à l'islam. Mes origines, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le sitar, j'ai commencé à le porter il y a à peu près 3 mois. Sinon, avant ça, j'avais commencé par porter en fait le niqab. Le niqab, où, si vous voulez, on a un aperçu. En fait, on voyait mes yeux avant. On aime aussi comme n'importe qui. On est passionné comme n'importe qui. Voilà, on a des défauts comme n'importe qui. Avec mon vêtement, moi je suis heureuse. Moi c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Je fais de mal à personne. Je n'agresse personne. Je ne critique personne. Je veux du mal à personne. Je leur veux que du bien. J'aime tout le monde. J'aime tous les gens. Même ceux qui m'insultent, ça m'arrive de les aimer. Je leur pardonne. Parce que Dieu dans le Coran, il dit pardonne et oublie. Je suis épanouie. Je suis heureuse. Je vis ma vie normalement comme n'importe quel individu. Je veux dire que bon, ben voilà, j'ai un logement, j'ai des enfants, j'ai un mari, je paye mon loyer, je cotise, je sais pas, je paye les impôts, je fais mes courses. Ce n'est pas une contrainte du tout. Pourquoi ça n'est pas une contrainte du tout? Parce que je suis une croyante et que je suis fervente, que j'ai la dévotion. Hein, je suis une dévote pour mon Seigneur. Je me sens plus libre. Mais enfin, j'ai pas pensé dès le début, avant de le mettre, que je vais avoir des problèmes avec la société. J'ai pas pensé à ça. La première justification pour dire qu'il faut absolument arrêter ce niqab, etc., c'est la justification féministe. Attention, c'est contre le combat féministe, on s'est battu, on, hein, entre guillemets, le on impersonnel, mais qui se rapporte à toute la civilisation occidentale s'opposant à cette espèce d'Orient dégradé, inférieur, islamique et barbare. Hein. Donc on s'est battu pour la liberté des femmes, et regardez, ces femmes, elles mettent tout en l'air d'un seul coup par leur attitude. Sauf que lorsqu'on les interroge, on se rend compte quand même, la plupart d'entre elles le font, mais alors vraiment volontairement. Elles sont volontaires de leur volonté, comme dirait Heidegger, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles font, elles savent pourquoi elles le font, et elles veulent le faire comme ça. Donc c'est à la limite une attitude qui peut être féministe, et d'ailleurs certaines d'entre elles vont défendre des positions féministes. Je suis une féministe parce que je défends le droit de la femme, et de toutes les femmes, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion, peu importe leur conception de la vie,
Pour moi, je défends toutes les femmes. Je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis contre le fait, contre le fait qu'on prostitue certaines femmes. En fait, je défends toutes les causes des féministes. La vraie féministe, pour moi, c'est celle qui va défendre les causes et qui, justement, lorsque un homme va lui imposer une certaine tenue vestimentaire, parce que, soi-disant, cela fait partie des normes de la société, eh bien, c'est là qu'on reconnaît la vraie féministe. Non, je ne veux pas être montrée, je ne veux pas que mon corps paraisse, que ce soit un... Si je peux me permettre, c'est peut-être cru, mais que ce soit un vulgaire morceau de chair mis à l'étalage. La femme, c'est pas un objet dans l'islam. Vous savez, c'est pas un objet qu'on expose comme ça à l'extérieur et que tout le monde va regarder, va contempler. La femme a de la valeur dans la religion musulmane. Quand on se dit féministe, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord avec certains principes concernant les pensées des hommes. Pas les hommes avec un grand H, non, l'homme, le mâle, le masculin. C'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Donc moi, je suis une vraie, vraie, vraie féministe. Je pense que toutes les féministes, c'est ce qu'elles défendent. De par mes convictions religieuses et ma tenue vestimentaire, je défends la même chose. Il m'est arrivé une fois de discuter avec une féministe qui était dépassée, qui était vraiment outrée, qu'elle n'acceptait pas, en disant « Mais comment, moi je me suis battue pendant des années pour défendre mes droits, pour m'affirmer, pour avoir une place sociale, pour avoir une place dans la société. » Et donc le fait que moi je sois comme ça avec mon voile intégral, je lui donnais l'impression de la faire régresser, c'est-à-dire de un retour en arrière. Un retour en arrière, comme si on allait lui enlever ses droits. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux, puisque avant tout, je suis quoi? Derrière mon voile, derrière ce voile, qui est derrière ce voile? C'est une femme. Je voudrais dire à la femme Fadela Amara, comme à beaucoup de femmes, qui disent que la femme avec le voile intégral, elle est en prison. C'est leur choix à elle de ne pas vouloir le porter, mais qu'elle ne généralise pas. C'est peut-être une prison au regard des autres. Au regard des autres, je suis en prison. Mais moi, je ne suis pas en prison. Je suis emprisonnée, c'est-à-dire dans le sens où le mal ne peut pas m'atteindre. Donc je suis protégée. En prison, pourquoi? En prison, protégée du mal, très certainement. Mais en réalité, je ne me suis jamais sentie de toute ma vie aussi libre. Mais là, moi, je ne suis pas en prison. Pourquoi je suis en prison? Je suis une femme. Même demain, si on me donne du travail, je travaille. Je répondrai à ces femmes qui disent qu'on est en prison. Alors, en fait, je reprendrai les mêmes termes que la sœur. En fait, on n'est pas du tout en prison. En fait, c'est peut-être l'image que les gens ils ont de nous. Nous, on vit notre vie en totale liberté. Eh bien, au contraire, on pourrait même dire qu'on est peut-être même plus libre qu'on peut le penser. Parce que c'est un choix. On ne s'est pas plié aux règles de la société. C'est la liberté dans tous les sens du terme. Liberté physique, liberté psychologique. Parce qu'on a fait comme on avait envie de faire. C'est que c'est gros quand même comme mot. La prison, c'est les barreaux. La prison, c'est quand même être privé de liberté. La prison, c'est les parloirs. Je sais pas, nous on sort. Les gens ils viennent pas nous rendre visite à la maison. J'ai pas des barreaux à ma fenêtre. Et quand je sors avec mon niqab il n'a pas de barreaux. Moi, quel droit je réclame? Je réclame mon droit de liberté. J'ai fait ce choix. Pourquoi ne pas me laisser dans ce choix? Tant que je ne nuis pas à autrui. Être une femme, c'est être une femme épanouie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa spiritualité, c'est être bien dans tout. Elle participe à la société, elle aide la société, elle aide les gens, sur tous les points de vue. C'est ça une femme, une vraie femme. Une vraie femme, c'est une femme qui défend des droits, qui défend des choses, mais pour aider, et non pas pour, c'est-à-dire pour construire, mais non pas pour démolir. Moi, ici, quand je le porte, personne ne m'a forcé. Si ce serait mon mari ou mon père, je pense qu'à un moment donné, je me serais tournée vers ces organismes, vers ces associations, vers le commissariat, pour dire qu'on m'a imposé
telle ou telle situation. On vit dans un pays où on est libre dans tous les sens du terme. Dans mon entourage, je n'ai jamais entendu qu'une femme, ou je n'ai jamais entendu une femme elle-même concernée par le sujet qui porte le niqab, qui m'a dit « on me l'a imposé ». Parce que si une femme, on lui impose, ben je pense qu'il y a toutes les structures pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse tout simplement se défendre. Et on a toujours tendance à recoller, à mettre une étiquette sur l'homme. C'est-à-dire que l'homme enlève les droits de la femme. Alors ça serait sur, peut-être la majorité des personnes qui ne pratiquent pas correctement leur religion. Les gens qui ne pratiquent pas correctement la religion, oui, c'est des gens qui bafouent certains droits. Beaucoup d'hommes, parfois, je parle des hommes qui battent leurs femmes, ou bien des hommes qui sont grossiers, qui ont un mauvais comportement, que ce n'est pas le comportement d'un bon musulman et d'un bon croyant. Parce que tous les prophètes ont eu un comportement exemplaire. La musulmane et le musulman ont une vie comme tout le monde, mais simplement, c'est basé. La différence qu'il y a entre un musulman, c'est que la femme, elle est pour son mari et le mari est pour la femme. La religion m'a donné de la valeur et du respect. Le respect, voilà, le respect. Le respect non pas du morceau de chair qui est en face, mais le respect de la femme. La femme, dans la religion musulmane, elle est valorisée, on lui donne de la valeur. Si demain cette loi elle est votée, elle sera votée en partie parce que la majorité des gens qui vont aller contre, qui vont aller pour cette loi, ça va être des femmes. Enfin, moi je pense que c'est ça. Si toutes les femmes elles se mettent ensemble, il n'y a pas de raison pour que cette loi elle passe. Il n'y a pas voilée, non voilée, niqabiste. Je m'adresse aux femmes qui se disent femmes. Alors, puisqu'elles se sont battues pendant des années pour avoir leurs droits, elles se sont battues pendant des années pour se faire entendre, pour faire entendre leurs paroles, pour faire entendre leurs droits. Alors aujourd'hui, si ces femmes se prétendent être de vraies femmes, mais normalement, elles devraient défendre aussi les femmes qui sont comme elles, parce qu'on est des femmes. Où sont toutes les femmes qui se sont battues? Voilà, moi je les appelle aujourd'hui. Où sont les féministes qui défendent les droits des femmes? Voilà, aujourd'hui, moi, je les interpelle. Aujourd'hui, je fais appel à elles. Aujourd'hui, pourquoi on ne vous trouve pas avec nous, mais on vous trouve contre nous? C'est mon choix. C'est un choix personnel que j'ai fait. Donc, pourquoi vous n'êtes pas avec moi et avec toutes celles qui ont choisi d'être comme ça? Il y a la deuxième grande justification qu'on retrouve partout, ce qu'on retrouve chez les intellectuels, chez les politiques, c'est la justification théologique. Alors, la justification théologique, c'est celle qui consiste à dire « mais au fond, le niqab, ce n'est pas musulman ». Je ne vois pas en quoi un homme politique, par exemple Nicolas Sarkozy ou un ministre, pourrait nous expliquer que c'est plus ou moins musulman. Alors, dans ce cas-là, il faudrait qu'ils dirigent la prière du vendredi parce qu'ils sont plus, ils sont plus compétents que les imams. Ça paraît étrange d'en arriver dans la République française, une indivisible, laïque, républicaine, de finir par s'ériger en nouvel imam de l'islam, disant la vérité des Écritures. Dans Surat Nour, dans Surat Al-Ahzab, Dieu nous montre comment la femme doit se vêtir et à qui elle doit se dévêtir. C'est pas à nous à juger de l'extérieur si c'est musulman ou non. Quand on met le voile intégral, c'est-à-dire que je cherche à plaire à Dieu, je cherche à m'élever dans la spiritualité. C'est clair, c'est pour ça que je ne comprends pas certains musulmans qui disent que ça ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie de la religion. Souvent les Arabes ici, dans mon entourage, il y en a des femmes qui m'ont conseillé de l'enlever. On m'a dit, vous êtes en France, pour passer inaperçu tout ça, pour ne pas avoir des problèmes, il faut l'enlever. Sinon, vous ne pouvez pas vivre. Et moi,
Je ne suis pas convaincue de leur point de vue. Troisième justification, c'est la justification que j'appellerais, que j'appelle en général morale ou morale démocratique, éthique, on ne sait pas très très bien ce que c'est. Alors, toute cette espèce de Salmigondi qui tend à nous expliquer qu'on ne peut exister que si on montre son visage à l'autre, première nouvelle, et que la démocratie ne se comprend que dans un espace public où les visages interagissent, où l'autre se montre, peut sourire, et donc il y a un renvoi d'image, et ce renvoi d'image constitue l'espace public, et donc c'est une condition de la démocratie. Enfin, en gros, si on ne montre pas son visage, on en arrive à une déduction assez étrange, on n'est plus digne d'être citoyen. Internet, il existe aujourd'hui, et le téléphone, il existe. Les gens, ils arrivent très bien à avoir des rapports sociaux, et ils ne se voient pas, ils ne se connaissent même pas. Quand on correspond avec quelqu'un, à distance, on ne la voit pas, cette personne-là. Et pourtant, ça dérange pas. Quand on discute avec moi, on voit peut-être pas mon visage, mais on me voit en tant qu'individu, on voit ma gestuelle, on entend ma voix. Que j'ai entendu dire que le fait que la femme qui est voilée intégralement et qu'elle regarde les autres, et le fait que l'autre qui n'est pas voilée et qui la regarde et qui ne la voit pas, c'est une injustice. La femme qui veut regarder une autre femme, si cette femme veut dialoguer et qu'elle n'a pas de barrière et qu'elle est sociable et qu'elle veut aborder cette femme qui porte le voile intégral et qui veut lui parler, la croyante va lui parler, va lui répondre et va lui expliquer les choses comme elle se doit, et elle la verra. On en vient à la quatrième justification, c'est la justification sécuritaire. La peur que quelque chose ou quelqu'un se cache derrière ce voile. Ça pourrait très bien être un terroriste, ça pourrait très bien être un violeur, ça pourrait très bien être un voleur, un bandit, un barbare. Et donc on a cette espèce d'image du voile qui sert à cacher des activités délectueuses. Ces gens qui disent que oui, il faut avoir le visage découvert, sinon on est pris ou assimilé à des gangsters, voleurs, etc. Excusez-moi, c'est une insulte à ma religion. Est-ce que quand je marche dans la rue, je sais pas, j'agrippe quelqu'un par la gorge pour lui dire « donne-moi ton sac », c'est quand même une insulte. Je passe à la caisse comme tout le monde, je paye comme tout le monde. Quand je rentre dans le magasin, je vole pas. Quand je rentre à la poste, je rentre pas à la poste pour braquer. Donc pour moi, m'assimiler à un braqueur, m'assimiler à un voleur, c'est une insulte et rien d'autre. Mais ça ne doit pas faire peur, c'est un vêtement. Même moi, je pose la question. Craindre, oui, c'est humain. Mais porter des jugements, faire des stéréotypes, avoir des clichés, là, on n'est plus du tout dans, on n'est plus dans l'appréhension, en fait. Là, on est carrément dans le jugement. Si on va dire qu'une femme, qu'elle va porter le niqab, elle peut faire des crimes. Mais il y en a des criminaux qui ne portent pas les niqab, ils font d'autres choses pour se cacher. Moi, si je veux devenir terroriste, je ne vais pas le faire avec mon habit. Je vais l'enlever, je vais me déguiser d'un policier, par exemple. Je vais pas salir mon vêtement, moi. Normalement, c'est quelqu'un qui est intelligent pour faire un crime. Il va pas utiliser son vrai habit pour faire les crimes. Il faut qu'il se déguise vers une autre personne. Ou bien de s'habiller trop sexy pour que les gens ils vont pas faire attention que cette personne elle va des mauvaises idées, elle va faire des idées mal, une bombe, ils vont pas penser à ça, ils vont la voir la belle femme qui passe et tout ça. Comme ça, elle va pas les attirer avec son sac, elle va attirer avec son corps. Le vrai terroriste, c'est pas l'islam qui pratique l'islam. C'est une autre personne qu'elle veut salir l'islam. Ça suscite des idées comme on pourrait dire pour les kamikazes. Qu'est-ce qui fait peur? C'est que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de l'État, ils s'en foutent des lois. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que Dieu. Et nous, quand on nous voit, et quand on identifie l'islam, on se dit, tiens, peut-être que c'est pareil. Peut-être que c'est des gens, ils ont peur de rien. Mais effectivement, je ne vais pas vous le cacher, on a peur de rien. On a peur que de Dieu. Mais c'est justement parce qu'on a peur de Dieu. Justement, parce qu'on a peur de Dieu, qu'on ne va pas faire du mal à notre prochain. Il y a des fanatiques, c'est vrai, mais quelle religion ne connaît pas de fanatisme ?
toutes les religions sont passées par là. Toutes les religions, à un moment donné, ont eu une rébellion. On aime le pays où on vit, on aime les gens qui nous entourent. On a nos familles, on a nos amis. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi une voie que cette voie on doit l'imposer à d'autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi une voie que systématiquement tous ceux qui ne sont pas sur la même voie que nous, on doit les rejeter ou on doit les cataloguer. Mais de quoi ont-ils peur ? Est-ce qu'un croyant, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est sincère, qui n'a rien à cacher, qui n'a rien à se reprocher, fait peur ? Et moi, depuis que je sors, je suis voilée, je suis quelqu'un qui est indépendante et qui a des responsabilités. Donc, je sors tous les jours, je rencontre les gens, je vois les gens. Et, alhamdoulilah, il y a des personnes, il y a beaucoup de gens, mais qui acceptent. Parfois, on vient me parler, des fois des personnes qui sont très agréables, qui viennent vous poser la question, qui ont la curiosité de comprendre et de savoir. Et d'autres personnes qui viennent, mais qui vous agressent avec des paroles. Donc, je ne vais pas répéter. Une fois, j'étais dans le métro et il y a une personne, vous savez, qui est entrée, qui s'est arrêtée et qui m'a regardée, mais vous savez, avec un regard très méchant. Je vous assure que si ses yeux étaient des balles, je pense que j'étais morte. J'étais plus là, j'existais plus. Et qui est restée debout pendant un certain temps en prononçant des insultes, hein, des paroles très méchantes. Mais c'est dommage parce que qu'est-ce que je lui ai fait ? Je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai pas regardé de travers. C'est des mots d'insulte. Il me traite de courbeau. Les hommes, c'est rare. Ils disent quelle horreur. Ou bien, quand ils sont accompagnés avec leurs femmes, souvent, ils disent quelle horreur. Moi, je dis c'est quoi l'horreur. Enfin, ils ont à dire ce qu'ils veulent. Moi, ça m'est égal. Une fois, tu sais, j'ai pris le métro et j'étais habillée comme ça. Bon, tu sais, je suis souvent en noir. Mais je suis pas tout le temps en noir. Hein. Je change de couleur. Hein. Là, c'est parce que bon, il y a des jours comme ça. En fait, c'est une question de goût, les couleurs. C'est une question de goût, tu vois. C'est pas une obligation vraiment que tu portes le noir, mais c'est parce que c'est neutre, tu vois, c'est sobre. Et donc, j'étais habillée tout en noir et puis j'étais assise dans le métro. J'étais assise. Puis il y a une dame, elle est venue. Elle est venue à côté de moi. Puis elle voit. Alors, elle était très aimable, tu vois, mais curieuse. Elle voulait vraiment savoir pourquoi j'étais comme ça. Est-ce que c'était mon mari qui m'obligeait à être comme ça? Est-ce que j'étais tout le temps comme ça, habillée et tout? Et puis donc j'ai discuté un petit peu avec elle, je lui ai expliqué. Et après tout d'un coup elle a vu que j'avais un sac, mais vraiment de couleur, tu sais, vraiment pastel. Hein. Ouais, vraiment. Alors elle a regardé mon sac, elle m'a fait fashion. En fait c'est extraordinaire quand même, vous êtes tout en noir comme ça, puis d'un seul coup une couleur comme ça, flash. Bon, après, en fait que t'es tout le temps en noir, tout le temps en noir, oui. Alors que en dessous, t'habilles, t'es une femme, t'aimes bien la mode aussi. Bien sûr. Non, c'est pas ça, c'est que, tu sais, dans tout ce qui est vêtements, dès l'instant où il y a quelque chose qui te plaît, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de ne pas être provocatrice à l'extérieur, c'est tout. Moi, je m'habille de toutes les couleurs. J'aime beaucoup le noir, le marron, les couleurs foncées, mais je peux m'habiller aussi en clair. Et c'est comme elle disait, c'est vraiment une question de goût, simplement. J'aime bien la mode aussi, donc j'hésite pas à me faire plaisir. Hein. Même les jeunes femmes en niqab, lorsqu'on leur demande de s'identifier dans la rue, elles s'identifient parce qu'elles savent quels sont leurs droits, mais elles savent aussi, contrairement à ce que l'on dit, quels sont leurs devoirs. La femme avec le voile intégral, elle ne pose aucun problème au niveau du contrôle, mais vraiment aucun problème. Moi, demain, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut me contrôler pour voir si c'est vraiment moi, si je suis vraiment une femme, il n'y a aucun problème. Simplement, c'est avoir affaire à une femme. Si jamais je vois que ça va jusqu'à un rapport de force, à partir du moment où c'est juste mon visage, j'irai jusqu'à enlever le niqab, il n'y a pas de souci. Maintenant, je préfère, tant qu'il n'y a pas de rapport de force ou quoi que ce soit, je préfère avoir affaire à une femme directement. Mais en réalité, l'ensemble de ces quatre justifications se comprennent beaucoup mieux à la lumière de la cinquième justification qui explique au fond toutes les autres. C'est celle que j'appelle la justification épidémique, l'argument épidémique. Il dit seulement, si ça continue, ça va être horrible, qu'est-ce qui va arriver ? C'est une sorte de gangrène, si ça se répand. Alors, vous vous demandez ce que c'est ce « ça » qui se répand déjà, qu'est-ce que c'est ce « ça » ? Et ensuite, vous essayez de voir
Effectivement, si d'autres individus continuaient à porter le voile, et qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça changerait les règles de la République? Moi, je voudrais répondre à certaines personnes qui s'inquiètent, qui polémiquent sur les minarets, sur les voiles intégrales. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de l'islam. Hein? J'ai l'impression que l'islam fait peur. Mais de quoi avez-vous peur? Mais de quoi avez-vous peur? Avec un croyant, vous êtes en sécurité. La personne honnête fait peur et la personne malhonnête ne fait pas peur? Le fait d'avoir des minarets, le fait d'avoir des femmes avec le voile intégral, qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? C'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont peur. Qui ont peur que demain on vienne leur imposer et d'être ce que nous on est. Alors que ça n'est pas le cas. Celui qui n'adhère pas à cette religion, est-ce qu'il n'est pas libre? Il est dans son pays, est-ce qu'il n'est pas libre? Il est totalement libre. Donc on a peur et on se crée cette peur et on la construit en imaginant des choses qui sont totalement fausses. La croyante, elle respecte les gens. Moi j'ai dans ma famille des gens qui sont voilés et des gens qui ne sont pas voilés. Hein, comme dans toutes les autres familles, il y a des gens qui pratiquent la religion plus ou moins, mais c'est comme dans toutes les familles. Donc on respecte ces personnes. D'abord la croyante, son devoir, c'est de respecter tout être humain, croyant ou pas croyant, pratiquant ou pas pratiquant. Nous on est là, c'est pour tendre la main et pour aider, et pour transmettre la parole de Dieu, oui ça c'est sûr. Je fréquente les femmes qui portent le voile intégral, je fréquente les femmes qui portent le djellab, je fréquente les femmes qui portent le foulard normalement, et je fréquente aussi les femmes qui ne portent pas de voile du tout. Je fréquente tout le monde. Chacun son degré de foi. Donc il y a des personnes qui vont pratiquer beaucoup plus que d'autres. Quelle est la personne qui sait si elle est vraiment sur la voie droite ou pas? Personne. Donc comment moi je peux me permettre, en sachant ça, de juger qui que ce soit, de rejeter qui que ce soit? Et c'est ça qui fait mal, c'est quand on sait comment on pense, et à côté on voit des gens comment ils sont en train de nous juger. On se dit, ils prennent pas la peine en fait. Ils prennent pas la peine de venir nous rencontrer, ils prennent pas la peine de discuter. Certaines personnes en France, vous savez ce qu'ils ont gardé? Ils ont gardé des clichés qui ont été passés, qui ont été filmés en Afghanistan. Sur la Chalera, quand on a vu des personnes qu'on a tuées. Donc ils ont gardé que ces clichés. Hein, ils ont gardé ces clichés-là. Et ces clichés leur font très peur. Je dirais que c'est tout bonnement une sorte de psychose, en fait. On a des exemples comme Cordoue, en Espagne. Je pense que c'est l'un des plus bels exemples. Et je ne sais pas, le monde n'est pas devenu musulman pour autant. Pourtant, il y a bien des traces de cette éducation, de cette science apportée par l'islam. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, ils stigmatisent, ils sont un peu parano par rapport à ce qu'on leur montre à la télévision. On va être islamisé, oui, la France ne va plus appartenir aux Français. Je ne sais pas, il y a eu quand même la Première Guerre mondiale, il y a eu cette vague d'immigrés qui est venue pour défendre la France. Ils sont arrivés avec leurs principes, ils sont arrivés avec leur religion. Pourtant, l'islam n'est pas la France n'est pas devenue musulmane pour autant. Il y a eu après la guerre 45, idem. Après l'indépendance de certains pays maghrébins ou de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de musulmans sont venus s'installer ici. C'est pas pour autant que la France elle est devenue musulmane. Pas oublier que quand même la première mosquée, la grande mosquée de Paris, elle date de 1920. Aujourd'hui, il y a des mosquées qui se construisent un peu partout et nous savons très bien qu'il faut l'autorisation de l'État pour. Alors moi, je trouve que c'est un peu paradoxal. Dans ces cas-là, interdisez carrément de construire des mosquées si vous voulez pas de musulmans en France. En fait, c'est à l'État de casser cette psychose, tout simplement. On s'interroge sur cette notion épidémique et on est obligé de penser au racisme. On est obligé de penser au fait que si ça se répandait, si il y en avait plus, s'ils étaient plus nombreux, s'ils nous prenaient nos allocations familiales. J'ai des capacités, je suis là pour aider, je suis là pour travailler, je suis là pour être comme tout le monde. Faut-il encore qu'on m'accepte? Moi, quel droit je réclame? Je réclame
mon droit de liberté. J'ai fait ce choix. Pourquoi ne pas me laisser dans ce choix tant que je ne nuis pas à autrui? On nous dit que c'est une question de droit de l'homme ou de droit de la femme ou de droit de l'humain pour aller plus loin. Mais j'en suis pas si sûr. Parce que dans les années 60-70, où on savait que des jeunes femmes mariées portaient le voile, et peut-être portaient le voile d'une façon beaucoup plus traditionnelle et sous le couvert d'une contrainte beaucoup plus dure, on s'en moquait complètement d'abord parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas françaises et qu'elles allaient retourner chez elles. Et puis en plus, elles ne se voyaient pas parce qu'elles étaient dans des cités dortoirs, elles restaient chez elles, donc ça ne nous posait aucun problème. Pourtant, que je sache, là, du point de vue des droits de l'homme, ça aurait dû nous poser des problèmes, mais ça n'en posait pas. En revanche, à partir de la fin des années 80, lorsque ce voile, paradoxalement, est devenu volontaire, ça nous a posé un problème. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il soit volontaire, au fond, qui nous pose problème. Quoi que l'on en dise, quoi que l'on fasse, quoi que qu'en soient les conséquences, il est certain que dans notre société, ça révèle un engagement. Un engagement volontaire. On ne nous fera pas croire que c'est une question de soumission, de l'extérieur. Ça peut être ça dans d'autres pays. En France, ce n'est pas le cas. C'est un engagement. Ça, c'est très important, je crois. C'est un choix personnel pour moi. Comme je vous dirais très, très, très honnêtement, c'est un choix personnel pour à peu près 95% des femmes qui le portent. 5% simplement, on leur impose. Elles savent ce qu'elles veulent, même si ce n'est pas ce que nous, nous voulons. Mais je crois que le problème, c'est que ce que les tenants de la laïcité veulent ne correspond pas à ce qu'elles veulent. Mais ils ne supportent pas ça. On n'est pas dans un pays de dictature. On n'est pas dans un pays de charia. Là-bas, on l'impose aux femmes. Et ici, on veut nous l'enlever. Moi, je vois qu'il y a des similitudes quand même. Et on est dans la dictature. Le principe même de l'égalité républicaine, c'est de nous protéger contre l'arbitraire qui consisterait à éliminer des gens sous prétexte qu'ils ne nous plaisent pas, que leurs us et coutumes ne nous plaisent pas. La peur des musulmans, la peur du minaret, de la mosquée. Cette peur, c'est pas une peur qui est nouvelle. C'est une peur qui a toujours existé. On avait peur des Arabes eux-mêmes, parce qu'on les prenait pour des sauvages et des barbares. On a appris à les connaître. On a appris à les connaître, il y a eu des échanges dans le commerce et dans beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte tout de même que ces gens sont éduqués. Ils ont quand même une éducation, ils ont des moralités. Donc cette peur, je pense qu'il faudrait peut-être la guérir. Parce que c'est une maladie. On entend, oui, je connais, pour citer l'une d'elles, sans dire son nom, oui, je connais comment ça se passe dans les cités, je sais qu'il y a la pression des frères, des pères. Oui, effectivement, mais c'était valable pour une certaine génération, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont complètement indépendantes, elles s'assument elles-mêmes. C'est fini, le grand frère qui a un rôle de pouvoir, d'agression sur la sœur. C'est fini, ça c'était valable pour, je sais pas, pour la génération des 70. Voilà. Mais pour la génération des 90-2000, là, non, pas du tout. Au premier niveau, je veux quand même évoquer l'idée du cliché qu'elles viennent des quartiers. Parce qu'effectivement, c'est un cliché qui est entretenu dans la société française, non seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis des Maghrébins en général. Comme s'ils n'avaient pas évolué, comme s'ils ne faisaient toujours pas partie de la société française. C'est-à-dire, quand on parle du problème de l'intégration, je crois qu'une partie du problème, c'est que justement ces gens-là, entre guillemets, sont intégrés, que nous ne le supportons pas. Alors qu'ils sont plus français que français. Aujourd'hui, ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont hommes d'affaires, ils sont au Parti Socialiste ou ils sont à l'UMP. Moi, je me considère comme musulmane française. Pourquoi ? Ma religion, elle m'a appris beaucoup de choses. Entre autres, elle m'a appris la tolérance. Entre autres, elle m'a appris à savoir vivre avec les autres, ce qu'on appelle ou ce que vous appelez, ce qu'on peut appeler communément le civisme. L'islam, elle a changé beaucoup de choses en moi, en fait. J'étais un petit peu marginale avant, même voire très marginale. Oui, j'étais de celles qui ne voulaient pas se plier, se soumettre à la société, à l'État. Et en fait, l'islam, elle m'a appris que non. Je rejetais en fait la société. Voilà. Et l'islam m'a appris à l'accepter.
L'islam, elle m'a appris qu'il fallait être tolérant, accepter autrui comme ils le sont, partager, apprendre avec les erreurs de soi et les erreurs des autres, vivre ensemble. On ne peut pas nous interdire d'être ce qu'on veut être. Ça, ce n'est pas possible. Si la loi passe, j'espère sincèrement qu'elle ne passera pas. Après, si jamais la loi, elle passe, bah déjà, je n'enlèverai pas. Et il faut dire que, il faut dire une chose. C'est que pour l'instant, on est là, on ne dit rien et on encaisse. Simplement, il y a le Parlement européen qui défend très bien les droits de l'homme. S'il faut aller jusqu'à là-bas, on ira jusqu'à là-bas. On ne peut pas nous interdire d'être ce qu'on veut être. Ça, ce n'est pas possible. Ça va à l'encontre du droit de l'homme et après, du droit de la femme. Parce que là, il y a deux droits qui se jugent. Le droit de l'homme, en tant que, avec un grand H, en tant qu'humain, et le droit de la femme. Donc moi, je dis tout simplement, la loi, elle passe. Très honnêtement, je ne l'enlèverai pas. Moi, je suis heureuse comme je suis. Et demain, si je dois, si on enlève le voile à certaines femmes, eh bien, vous ferez souffrir beaucoup de femmes. Avant que l'on parle, qu'il y ait cette polémique sur le niqab, les femmes sortaient. Elles sortaient, elles allaient faire ses courses, elles allaient à la mosquée quand elles le pouvaient ou quand elles avaient le temps, parce qu'elles ne sont pas obligées d'aller à la mosquée. La femme n'est pas obligatoire, elle n'est pas obligée d'aller à la mosquée. Donc elles sortaient, elles allaient un petit peu à la mosquée pour chercher un petit peu un petit cours de spiritualité, pour essayer de se retrouver, pour se retrouver spirituellement, tout simplement. Et depuis cette polémique avec l'histoire du voile intégral, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a énormément de sœurs que moi je connaissais, que je ne vois plus. Ces femmes qui portent le voile intégral, elles me font beaucoup de peine. Honnêtement, elles me font beaucoup de peine. Pourquoi ? Parce qu'elles vont se cloîtrer chez elles, sans plus sortir. C'est ces femmes-là qui, par rapport à ce qu'elles pensent et les lois qu'elles ont envie de voter, elles vont finir par nous emprisonner. Elles vont finir par faire en sorte qu'on reste chez nous cloîtrés. Moi, si ça sera une loi, je peux rien dire. Je ne suis pas chez moi. Ici, la France, déjà, je n'ai pas de nationalité française, je suis algérienne. Ça veut dire que je suis chez eux. Eh bien, moi, j'ai appris depuis que je suis petite, quand on n'est pas chez soi, il faut qu'on respecte là où on est. Comment les gens y vivent. Il faut qu'on respecte leurs lois à eux. Eh bien, s'il sera obligé de l'enlever... Peut-être je ne vais pas l'enlever, mais peut-être je ne vais pas sortir. Je vais me cacher. Ou bien si ce sera obligé. Enfin, dans notre religion, si on est obligé de faire quelque chose, c'est de la loi, ça vient des supérieurs, et ben il faut l'appliquer. Et on sera pardonné parce que on n'a pas le choix, on est obligé. Si il s'avérait que ce phénomène, après cette enquête, on s'apercevait que, très clairement, le port de la burqa était subi, c'est-à-dire que c'était contraire aux principes républicains que je viens d'énoncer, eh bien, naturellement, le gouvernement, le Parlement, en tirerait toutes les conséquences.